Donc, monsieur le préfet a souhaité la mise en place de 1300 caméras sur l'ensemble de la capitale, avec une définition beaucoup plus ciblée de l'implantation de ces caméras dans différents lieux, soit criminogènes, soit plus spécialement destinés à des missions d'ordre public, ou aux collègues de la direction de la police judiciaire, ou de la direction du renseignement. Dès qu'on a un événement qui se passe dans Paris, on envoie l'adresse sur l'ordinateur pour pouvoir avoir justement toutes les caméras disponibles au plus proche de l'événement. C'est reparti en voiture très vite dans Paris, mais malheureusement, dans ce coin-là où était Charlie Hebdo, il n'y a pas beaucoup de caméras de vidéoprotection qui sont disponibles. On a vu leur voiture jusqu'à la place de la République et puis ensuite, ils sont allés très très vite et ils sont partis, on les a perdus. Et après ça, plus de traces.